Moi, je suis moderne. J'ai fait beaucoup, en fait, de jazz. Peu de classique, un petit peu de contemporain. Je fais du hip-hop. Maintenant, je fais de la house, du lady style. Mais moi, je suis résolument moderne. Il y a un aspect vraiment au corps, en classique, qui me repoussait. Parce qu'on était donc en collant. J'étais un petit peu ronde, donc pas à l'aise. Et après, anatomiquement parlant, le classique, comme c'est un travail d'en dehors... Si on n'est pas souple de nature, il faut le travailler, ce que je n'étais pas. Donc du coup, j'avais des difficultés quand même, et anatomiques et physiques. Et donc quand j'ai commencé le moderne, c'est une révélation, parce que là, on s'habillait comme on voulait, qu'on soit forte, qu'on soit mince, on pouvait s'exprimer, on pouvait arriver à danser, à se libérer. Alors qu'en classique, il faut énormément de travail pour prendre du plaisir, en fait. Je me sens bien, c'est chez moi, donc c'était un local avant de la Croix-Rouge. On a tout refait. J'ai souvent l'impression que c'est comme ma maison et que j'invite en fait des amis ici, chose que je n'avais pas avant. Il y avait toujours dans les structures où j'étais une petite froideur en fait, une frontière entre le professeur qui donne son cours et l'élève. Ici, on vient passer un bon moment, j'ai l'impression voilà, de recevoir les gens et du coup je suis à l'aise ici. J'étais introvertie et par la danse, je trouvais un moyen de m'exprimer et surtout de m'assumer. Par exemple, à l'école, j'osais pas prendre la parole, les exposer, pour moi, c'était un enfer. Et du coup, la danse, ça m'a beaucoup aidée à prendre de la confiance, à m'aimer aussi. C'est pas soi qu'on aime plus, c'est le fait d'être une autre personne et du coup, pouvoir se permettre de... On joue des rôles quand on danse, on interprète. J'ai dansé enceinte à Bercy. Enceinte de 5 mois et demi, et ça c'était un moment fort. Je sentais bouger en dansant, ça j'oublierai jamais. L'impression de partager, parce que la danse c'est ma vie, de partager ma vie avec mon enfant. Une partie de moi à une partie de moi, c'est marrant. J'aime beaucoup danser ce qui est plus mélancolique, on va dire. On a des sensations de poids, de... On a plus d'abandon. La danse, ça devient de plus en plus fermé, étroit, alors que ça n'appartient à personne. Danser pour danser. On oublie ça dans la danse, c'est trop élitiste. Si j'étais un pas de danse, je serais un temps levé. Oh, je serais un saut sur un pied. T'es léger, en même temps tu prends un risque. C'est une énergie en fait.